La formation de ce quartet, c'est basse, flûte avec clavier et percussion et guitare. L'improvisation chez nous, elle est beaucoup plus rythmique que harmonique comme ils le font dans le jazz. Le fait justement de développer un petit peu le quartet, c'est de plus laisser de liberté dans les thèmes que je compose avec une grande place d'improvisation. C'est un peu le but en fait de ce quartet. La guitare flamenca aujourd'hui c'est tellement développé, il ne faut pas oublier que justement, moi quand j'habitais en Espagne, donc j'habitais à Jerez, une des villes les plus traditionnelles qu'il puisse y avoir dans le flamenco, donc vraiment dans le sud de l'Andalousie, il n'y avait aucun festival de jazz. M'a vraiment de suite donné envie de me plonger dans cet univers avec beaucoup de respect et beaucoup de conscience de la richesse de cette musique. Et voilà, c'est une culture à part entière et je pense pas qu'on puisse la pénétrer comme ça parce qu'on peut improviser un peu sur une grille vite fait. Ce qui m'intéresse dans le jazz justement, c'est cette improvisation et cette liberté. En fait voilà, la liberté de pouvoir jouer ce qu'on veut quand on veut, et ça c'est pour moi c'est vachement important. Dans ce quartet, ce que je cherche à défendre, c'est l'écriture, la composition. Aujourd'hui, justement, elle tend vers quelque chose de beaucoup plus ouvert harmoniquement. Il faut savoir que le flamenco, au départ, ben le mot traditionnel, on le connaît, hein, c'est ce fameux mot de la mineur sol fa mi, qui après est transposé. Mais aujourd'hui, ben justement, on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus loin dans l'harmonie, on va beaucoup plus loin dans l'accordage de la guitare. Thank you.
pas au nombre d'accords quand on définit une bonne musique. Hein. Enfin, en tout cas, pas dans le flamenco. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai envie d'utiliser ça parce que, ben, parce que aujourd'hui, on vit une époque qui n'est plus la même. Le flamenco, ça date du fin 18e, début 19e. Et à l'époque, ben, le flamenco était joué d'une façon. Et aujourd'hui, ça évolue. Et c'est pas pour autant que donc, je considère que je trahis du tout le flamenco. Puis, j'ai envie de dire que je suis un peintre qui utilise un qui fait un tableau avec des couleurs différentes. Voilà. Avec une palette beaucoup plus large de couleurs. Très tôt, quand je dis très tôt, donc moi j'ai commencé la guitare à l'âge de 10 ans, et à l'âge de 15 ans je jouais avec Baden Powell. Donc j'ai rencontré Baden Powell, guitariste extraordinaire de musique brésilienne, j'avais 15 ans, et très tôt j'ai eu ce flash où j'ai compris que la musique c'était très 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 vaste.